Bon ben on se retrouve encore 5 minutes plus tard, encore une touche avec un esturgeon. Et on vient, il y en a plein d'esturgeons à ce moment-là. On vient de s'apercevoir, au début on avait vu un esturgeon sauter juste devant. Ouais, et en fait c'est parti d'un seul coup. Ouais, là la canne est partie d'un seul coup comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Et là je vais pas faire la pauvre blague de merde. Ouais, voilà. En fait, dès que j'ai pris la canne, j'ai mouliné, après j'ai laissé à Mathieu ça Parce que ça a sauté d'un seul coup. Ouais, ça a sauté d'un seul coup, puis Mathieu il est plus fort que moi à la pêche aux esturgeons comme ça. Donc je lui ai laissé. Regardez, c'est pas le même que tout à l'heure, lui il est plus petit. Ouais, mais. Ah, c'est bien, c'est fait pour les sturgeons. Ouais. Donc maintenant on va venir assez souvent. Il est plus petit lui. Ouais, mais il est déjà pas mal, hein. Ouais. Ah, c'est peut-être. Non, c'est pas le même. Et comme je vous disais, bah en fait, dès qu'on a vu le. Eh ben non, en fait, il est pas fatigué. Et comme vous... En fait, dès qu'on a attrapé ce poisson, dès qu'on a vu le poisson sauter, on a vu un autre juste au bord sauter. Deux d'un coup, on a vu sauter. Et il y avait l'autre canne de Mathieu qui était dans l'eau avec un pareil comme ça. Et j'ai cru que c'est. Il avait. Les deux, on a cru que les deux étaient partis en même temps. Ouais, voilà, avec deux esturgeons. Imagine les deux partir en même temps. Donc voilà, regardez, il est là. Ah ouais. Putain, il manque du fil, il va manquer du fil. Merde, il va manquer du fil. Vite, bah essaye, il faut essayer de quoi. Parce que là on n'a pas beaucoup de fil sur cette bobine. On n'a pas beaucoup de fil et puis s'il faut rajouter du fil, au pire j'en ai pas. Hein? J'en ai pas de fil. Merde, j'ai détendu le fil. Ah, il est encore au bout. Il est encore au bout? Ouais. Bon bah j'espère que cette fois on va le ramener, ça voudrait bien faire une belle vidéo là. Ça serait cool hein. Ouais. Et Mathieu, la précédente vidéo. Ouais. C'est où on a fait surgeon mais on l'a pas ramené au bord. Ouais. Jamais quand même ou pas? Ouais. Bah, parce que regarde, là tu viens de parler de la vidéo. Donc, ouais. Bon, bah, en fait, on a fait une précédente vidéo où il y avait encore un esturgeon, mais il s'est décroché. Donc, je le mettrai quand même sur YouTube, sur ma chaîne, car on le voit bien, assez bien l'esturgeon. Ouais, on le voit bien, ouais. Parce qu'il saute et tout. Ouais, on le voit bien. Ça serait bien qu'il saute d'un seul coup là. En fait, on. Ça serait bien pour la vidéo. Sur la précédente vidéo, on voyait bien l'esturgeon sauter, donc je vais vous le mettre quand même. Même si celui-là on l'attrape, on va quand même la mettre, l'autre vidéo. Je vais me préparer avec l'épuisette, on sait jamais. Ah, c'est bien juste devant toi. Ah ouais. Ma canne. Oh. Bon, on connaît ce territoire. Alors, c'est l'étang de mon grand-père, mais je savais vraiment pas qu'il y avait des esturgeons. Ouais, enfin, maintenant il est vendu à quelqu'un d'autre. Mais franchement, je pensais pas qu'il y aurait de l'esturgeon. C'est nouveau propriété. On va vous dire à quoi le pêcher l'esturgeon. Parce que nous, c'est la première fois. Bah, c'est avec de la perche. Voilà, en fait, vous coupez la perche. Et vous récupérez les boyaux et tout. De l'intérieur. Ouais, les boyaux et tout. Ouais, ça en. On a eu une touche quand on a tout à l'heure, comme on vous avait dit, et ça pas, on l'a pas non, pris. On en a eu une touche avant. Avant, tu sais. Non, oui, mais là, quand on a pris les sturgeons, bah après, mais il s'est. Tu prends en vidéo? Bah, je prends en vidéo. Mais là, on le voit pas. Tu caches les trucs. Et après, bah il a pas sorti, mais. On a pas réussi, c'est décroché au bord. Ouais, en fait, c'est les trucs de perche. Comme hier, j'ai pêché une perche, bah je l'ai gardé, du coup, et. Bah, ça marche bien. Elle faisait 8 cm. 8 cm la perche et. Même une toute petite, ça pourrait marcher. Oh, bah oui, c'est. Je vais vous montrer après si on fait à quoi, avec quel hameçon et tout. Ouais. En plus, c'est accroché juste au bord. Parfait. Franchement, c'est nickel là. Il risque pas de se décrocher. Bon, attends, je mets la vidéo en caméra. Bah, en même temps, c'est une vidéo. Non, oui, mais ce que je veux dire, je la coince. Voilà. Mets-le dans l'autre sens, non? Bah, non, c'est pareil. Bah non, parce que genre il y aura. Ah oui, il faut que j'ai oublié d'enlever le fil. Hop, et voilà. Bon, il est plus petit que tout à l'heure, mais c'est déjà pas mal. Ouais, peut-être le même. Je sais pas. Non, pour mais moi, tu penses que celui qui a sauté au bord c'était le même que là-bas? Moi, je pense pas. Non, je pense pas. Non, je pense qu'on a de l'eau. On pourrait avoir une chance. Oh, ta mère, la canne. Ton épuisette. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, on l'a sorti, mais mon épuisette est cassée. Ouais. On a sorti le poisson. Ouais. Ah bah putain. Bah c'est mort, pas grave. Bon bah mon épuisette elle est cassée. Bon bah tant pis. Putain ça fait chier ça. Oh putain oui il a des pics sa mère. Je te l'avais dit de pas prendre mon épuisette. Hein. Bon, on est un peu obligé. Enlève l'épuisette s'il te plaît. Oh, putain comment il est cassé sa mère. Eh bah attends, moi j'ai plus d'épuisette. Hein. Bah c'est pas très grave. Les sturgeons il va me le repayer les sturgeons. En plus. C'était juste ma chaussure, mais à part ça, rien de grave, quoi. Une chaussure sale, c'est... C'est rien. C'est pas grave par rapport à un poisson mort. Mais il est pas mort, le poisson. C'est bon. Tant pis.
putain. Je vais essayer de cadrer la vidéo. Bah, au pire, je peux la recoller maintenant. Non, c'est mort. T'es obligé d'en racheter une. Si c'est pour Skype, ça se casse tout le temps. Bah, au pire, après, si on en refait un, tu la prends là. Hein. Ouais. C'est pas très grave. Au pire, ouais, pour aujourd'hui, c'est pas très grave. Oh, on va faire avec. Pour aujourd'hui, c'est pas très grave, mais la prochaine fois, tu ramènes la tienne, Mathieu. Je peux pas. Comment? Je suis en vélo. Quoi? Je suis en vélo. Bon, bah, je demanderai à ma mère qu'elle m'en rachète une. Pas la même. Vas-y, je vais. Pas la même, hein. Non, une plus grosse. Ouais, une plus. Pas une plus grosse, mais une plus solide. Plus grosse aussi. Ouais, plus grosse, plus solide. Ok, je te montre mon cul, mais c'est pas grave. T'inquiète. Ouais. En fait, ouais. Quand il saute. J'essaie... Non, ah. Bah, j'ai essayé d'enlever mon épuisette. Ouais. Plus, regarde. Et en plus, j'ai essayé. Je tiens. C'est pas grave. Mec, il se calme. En plus, c'est galère, hein, mais c'est en fait, c'est le nouveau propriétaire qui a mis beaucoup d'esturgeons. C'est pas. Hein. Tu sais, c'est le propriétaire qui l'a mis. Qui l'est, il a mis. Il y en a pas qu'un. Il y en a trois. Pour l'instant. Oh, largement plus. Hein. Ouais, mais ils sont au fond. Hein. Bah, regarde la preuve qu'ils sont là. En fait, faudra. Dommage qu'Arnaud il est pas là. Ouais. Ah, bah, dis-lui, on a fait deux esturgeons. Hein. Bah, un esturgeon où il s'est décroché, un autre esturgeon où on l'a eu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Là, tu sais, il saute, il se part dans l'eau. Oh merde. T'as les nerfs, toi. Bon, au moins, ils l'auront vu en vidéo, là. Bah, tout à l'heure aussi, hein, tout à l'heure. Ouais, bah, tout à l'heure, on l'a pas pêché, en fait. Ouais, il est pas sorti. Donc, on l'a pas pêché. Vas-y, j'ai les nerfs pour mon épuisette, elle s'est cassée. Ouais, c'est pas très grave, hein, la limite, ça. Je demanderai à ma mère comment on rachète une plus solide, plus grosse et plus solide. Une à carte, c'est beaucoup plus gros, mais... C'est plus cher, aussi. Ah oui, ouais, ouais, celle-là, elle a coûté que 5 euros, hein, à Action. Un petit magasin. Ouais, mais... par contre, il faudra le mouiller. Je sais pas avec quoi, mais il faudra mettre de l'eau dans quelque chose et le mouiller parce que là, il est sale pour la photo. Enfin, pas sale, il est. Mousseux. Plein de mousse, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, mais. C'est bon, on est en train de réussir à. Après, faut le décrocher, hein, mon pote. Et ça va, ça pique pas. Elle fait pas beaucoup de mètres, elle fait que 1m50, 1m80, mon épuisette. Je l'ai payé que 5, enfin, ma grand-mère me l'a payé 5 euros. Mais il en faudrait une plus grosse et une plus solide, hein, Mathieu. Ouais, c'est pas grave si ça, le filet se gratte un peu. Ah, attention, hein. Elle est morte. Hein. Ouais. Au pire, c'est pas très grave. Hein. Okay. Alors, au pire, bien. Elle est morte là. On va pouvoir tirer un peu sur l'épuisette. Ah, Mathieu, elle est morte, l'épuisette. Ouais. Bon, bah, c'est bah pour aujourd'hui, non. Ouais, pour aujourd'hui, elle est pas morte, mais pour demain, elle est morte, par exemple. Ouais. Même si on va pas pêcher. Ah, bah, si, on peut demain. Non, demain, je peux là. Ah bon, je vais avec l'hôpital de ma grand-mère, ça elle a des problèmes de mémoire. Ton arrière-grand-mère. Avec mon arrière-grand-mère. Et comme ça fait deux semaines que. Non, un mois que je ne l'ai pas vu. Voilà. Et puis, elle va pas tarder à mourir, je pense. Donc, il est décroché déjà. Ah oui, quand même, il y a des sacrés trous. Hein. Ça l'a décroché. Bah oui, il y a un gros trou là. Bon, bah, mon épuisette aura fait l'affaire aujourd'hui. Putain, faut pas qu'il. Là, il est décroché. Attends, je vais faire attention avec le son. Bon. L'éloigner vite. Bah, si vous faites de la pêche au. À l'esturgeon. Non, au petit poisson, bah prenez une petite comme moi. Une petite. Regarde, Mathieu, regarde le gros trou. Non, il y avait un gros trou là. Hop. Si, je l'ai vu le gros trou. Si, t'inquiète, je l'ai vu. Là et là. Bah, il s'est fait déchirer. Enfin, c'est pas des gros trous, c'est des petits trous, mais il y en a plein. Ouais. Bon, bah, si vous faites des petits. Des. Oh, un esturgeon. Non. Si, j'ai vu la queue. Arrête, ça se trouve, c'est un bébé, hein. C'est ça? Celui-là, non, c'est pas un bébé, ça. Hein. Je sais pas combien il pèse. Ah oui, on a un mètre, par contre. Ouais, c'est moi, je le comprends. Alors, si... Comment comme ça, c'est mort. Bah, allez, ça... reviens voir, nique ta mère, il y a un gros poisson. Oh, le bâtard. Nique ta mère. Là, je rigole. Oh, excusez-moi. Pour c'est les surjons. Oui, il y en a plein. Ouais. On a pêché, on a fait comme un fou poisson. Regarde direct. Ma canapé. Ouais, bah, il y a un pote qui est arrivé. Ah, je suis sûr. Mon épuisette, elle a cassé. J'en étais sûr. De quoi? Qu'elle allait casser un jour ton épuisette. Mais t'inquiète. Voilà, bah ça y est, tout est décroché. Tout est décroché. Plus qu'à prendre. Plus qu'à prendre la photo. Et je dis, Vous l'avez décroché? Ouais, ça y est. Arnaud, je dis la bouche. Bout de perche. Mon pote. Pas vous, par la perche. Alain, un jour. Tu sais ce qu'on a fait? On a ouvert la perche et on a vidé ce qu'il y avait dedans et on a accroché. Ça a l'hameçon. Vous avez pêché ça, ouais. Et voilà, je et juste, sûr, juste avant, on a pêché. Et par contre, faut se dépêcher là. Juste avant, on a pêché. Mais ça fait deuxième esturgeon, ce que. L'autre, on l'a pas sorti. Ah, j'en étais sûr que t'allais prendre ça comme. Arnaud comme truc, ouais. T'inquiète pas, je dis à ma mère qu'elle vous rachète une autre épuisette. Hein.
Vas-y, prenez votre téléphone. Ah putain, comment il est dur, elle est dure sa cervelle. Mais c'est pas sa cervelle, c'est son crâne, toi. Hein, il est dur. Oh. Arnaud, je t'inquiète pas, je dis à ma mère qu'elle m'a arraché sur une autre épisode. Bon bah, voilà le poisson. Là, on va prendre en vidéo, après on prend en photo. Donc voilà, je coupe, hein, excusez-moi, c'est pour la photo. Bon bah, salut pour une nouvelle vidéo.